La population, elle a peur que les services de santé se rétractent, disparaissent, ferment, parce qu'ils ont connu ça depuis 30 ans. Et aujourd'hui, la donne a changé. Le Ségur, c'est 3000 hôpitaux et EHPAD auxquels on dit « on t'enlève la dette, on te reconstruit, on te modernise ». Juste avant, j'étais dans une maison de santé pluriprofessionnelle à Baume de Venise, là où ce sont des médecins, trois médecins généralistes qui se sont installés parce qu'à un moment donné, un maire a eu la conviction que s'il ne prenait pas les devants et s'il ne construisait pas une maison pour regrouper ensemble des médecins, des infirmiers, des kinés, des sages-femmes, etc., eh bien, petit à petit, l'offre de santé se raréfierait dans son territoire parce que les médecins étaient vieillissants. Il a réussi son pari, il y a plus de 12 professionnels qui sont installés, la région est venue en aide, mon ministère est venu en aide, et donc nous avons célébré cela et dévoilé la fameuse plaque qui inaugure cette maison de santé avec mon nouveau copain Renaud Muselier, qui n'a pas tari d'éloges, et je m'en suis réjoui à ses côtés.